Mes bien chers frères et sœurs, lire, entendre et partager la parole est une vraie bénédiction. Aujourd'hui, elle est annoncée en Tite, au chapitre 2 et au verset 1 et 2. Soyez les bienvenus. Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement saint. Dis aux hommes âgés de faire preuve de modération, d'être respectable, réfléchi et d'exercer une saine pratique de la foi, de l'amour et de la persévérance. Version Bible du Semeur. Mes bien-aimés, il est sage de comparer les versets bibliques. S'instruire de la parole nous permet de devenir source de bénédiction pour toutes celles et ceux qui la reçoivent. Merci de partager la vidéo. Recevez la paix de notre Seigneur Jésus-Christ en abondance et soyez merveilleusement bénis.